Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Age of Empires 2 HD. Aujourd'hui, nous attaquons à la quatrième campagne, c'est la campagne de Gengis Khan après avoir terminé celle de Saladin. Gengis Khan. Après avoir été pendant plusieurs siècles empêtré de leur corps avec de clans et tribus nomades des steppes d'Asie, sont maintenant réunis sous la férule de Gengis Khan. En quelques années, une armée hautement disciplinée quitte la Mongolie pour s'embarquer dans une campagne de conquête mondiale. Mais comment une tribu d'archers de cavalerie peut-elle espérer triompher de la puissance de l'Europe de l'Est? Et de la Perse, sans parler de la Chine technologiquement très avancée. Donc, vous encampez par la mission Creuset, en difficile bien évidemment. Et je vous laisse avec la traduction de cette campagne. Un loup bleu a pris comme épouse une biche. Ils se sont installés en amont du fleuve Onon pour y élever leurs petits. Et c'est ainsi que sont nés les Mongols. C'est par ces mots que commence l'œuvre de ma vie. L'histoire secrète des Mongols. J'ai été choisi pour composer ce poème épique parce que de grands événements se préparent. Nous allons quitter la Mongolie. J'ai toujours vécu dans ces steppes glaciales, alides et sans fin. Les tribus ici se disputent, tels des vautours se battant autour du cadavre desséché d'une marmotte. Nous luttons avec de faibles ressources. Peu d'eau, quelques arbres, de l'herbe clairsemée pour faire paître nos bêtes. Un homme malin et dangereux, nommé Temushin, veut changer tout ça. Il dit que pour que les conflits entre les tribus prennent fin, les Mongols n'ont besoin que de deux choses. D'abord, il nous faut des pâtures verdoyantes pour nos troupeaux. Si les tribus avaient plus d'espace, il y aurait moins de rivalité entre elles. Ensuite, nous sommes un peuple de guerriers. Nous devons trouver un ennemi commun à combattre. Pour répondre à ces besoins, Temujin a proposé le plus modeste des projets. Unir les tribus et se battre contre quiconque se trouve sur notre chemin. Comment ? Lui avons-nous demandé. Comment des cavaliers nomades, vivant sous des tentes de feutre, peuvent-ils s'embarquer dans une campagne à la conquête du monde ? Temujin réplique que nous ne combattrons pas comme des guerriers, mais comme une armée unie. Nous ne nous battons pas pour notre gloire, mais pour la gloire de la Mongolie. Et sur ces mots, le nom de Temushin a sombré dans l'oubli. Son nom a été remplacé par un titre, le Grand Khan, Genghis Khan. Attendez les instructions de Genghis Khan. Apparemment, il peut prendre un H. Comme on veut, seuls les moines peuvent rassembler les reliques. Les carrières sont connues comme étant la plus pieuse des tribus, ils ont probablement quelques moines et utilisés pour savoir les nouveaux objectifs qui apparaîtront. Alors, juste pour vous montrer nos bonus de faction. Donc, civilisation d'archers de cavalerie. L'archer de cavalerie tire 20% plus vite. Cavalerie légère, hussard. Donc, ces cavaleries-là ont plus 30% de points de vie. Les chasseurs travaillent 50% plus vite. Unité d'élite, les Mongai. Donc, ces archers de cavalerie qui ont bonus d'attaque contre les armes de siège. Donc, les ateliers de siège marchent 50% plus vite pour une technologie. Haute technologie, les cavaleries légères, en gros, vaillent plus loin. Donc, c'est vraiment une faction qui sera beaucoup basée en fait sur tactique part. C'est un peu important. Les archers de cavalerie gagnent plus 4 d'attaque et Mongai plus 2 contre les piqués. Et là-dessus, voilà, c'est vraiment que énormément sur les archers de cavalerie, c'est pour ça que c'est ma campagne que j'aime le moins. Parce qu'en fait, j'aime pas la faction. Voilà. Même si l'histoire est intéressante, c'est la faction que j'apprécie pas vraiment. Regardez, la horde de Genghis Khan approche. Mes hommes, vous allez visiter chacune des tribus isolées. Vous devez en convaincre le plus possible de joindre notre glorieuse armée. Mais méfiez-vous de Karakitai. Ils n'ont pas d'honneur. Allez, c'est parti. Bon, moi j'ai mis qu'ils sont un peu trop forts pour moi. Bon, c'est pas grave, je réglerai ça pour la prochaine vidéo. Le premier. Nous vous suivrons si vous pouvez nous prouver
que vous êtes élu des dieux. Apportez-nous une relique sacrée. Ah, comme d'hab. Bon, c'est toujours le dernier qu'on fait, celui-là. Il faudra vous débrouiller pour trouver 20 moutons. Pour la tribu des Kirei. On combattra quasiment pas pour venir dans cette mission. Vous êtes un grand meneur d'hommes, Genghis. Mais l'hiver a été rude et nos guerriers sont affamés. Donnez-nous 20 moutons et nous nous joindrons à vous. Si vous êtes blessé, nos moines peuvent vous soigner. Donc ici, on a déjà 6. Et il y a un endroit où il y en a quasiment tout ce qui me manque. Voilà. Ils veulent 20 moutons. Bah, 3 moutons de plus, on va revendre. Enfin, le renvoyer plutôt. Ah. Ça fait 9 moutons. Et là, on va faire un petit combat. Enfin, le seul combat normalement qu'on va faire contre Kara Kitai. Là. Ah bah, chaque fois. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 plus, là on est déjà à 18, il nous en manque plus que 2. Et on va faire soigner tout le monde. Alors, ça, moi je me dépêche toujours de faire ce camp là pour vite en fait passer à la suite parce que. Et voilà les deux derniers qui nous manquera. Et 18. Voilà, faites gaffe à pas perdre de troupes quand même. En les affrontant, ce serait préférable. Enfin, au début de partie surtout, parce qu'au début vous êtes tellement limité en troupes qu'en perdre quelques-unes c'est un peu dérangeant. Alors je sais où sont toutes les reliques. Il y en a une qui appartient au Kara Kitai, hein. Enfin même plusieurs. Une qui est dans un de leurs monastères, une qui est planquée derrière des palissades où il y a des monos autour, et une qui est en pleine campagne. Merci, Grand Khan. Nous honorerons votre parole en vous donnant ces soldats. Vous mettez les personnes en neutre, vous les captez. Oh, ils ont couru. Ils l'ont pas corrigé. Ah, je me suis planté. Ah. On admet, on abuse un peu du jeu. En les mettant en neutre, ils ne déclarent pas comme ennemis. Et voilà, c'est comme ça, vous récupérez déjà 2 archers de cavalerie en plus. On va envoyer nos deux moines au sud. Juste vérifier qu'il n'y a bien évidemment pas de danger sur la route. Hein. Enfin, en réalité, on pourrait en envoyer 15 si on voudrait, mais j'en veux toujours les deux. Parce que là, vous allez devoir faire un dilemme. Et moi, j'ai trouvé en fait une parade à ce dilemme. Donc ça vous permet d'avoir le plus d'unités possible avec ma technique et... Il n'y a pas un passage au nord? Les Naiman sont les ennemis. Si vous les chassez des steppes, alors, et alors seulement, nous nous joindrons à vous. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Ah là. Donc soit vous alliez avec une faction qui a d'unités de cavalerie, soit avec une faction qui a pas d'archer de cavalerie. À ce stade-là, Ojik veut que vous n'ayez pas beaucoup de cavalerie légère, de raser une Naiman. Sauf que j'ai trouvé une parade. Eh oui. On a toujours des trucs pour, entre guillemets, tricher. Là, normalement, si je mange bien, il n'y aurait pas... Parce que je sais qu'ici, il y a plein de tours des Kara Kitai.
Et là, on va se mettre les Taichu. Taichu. Et voilà. Étant donné que vous avez mis neutre et pas ennemi, ils vont pas vous attaquer. Parce que même étant ennemi, vous déclarez officiellement que vous refaites la peau. Mais en mettant neutre, c'est juste que vous n'avez pas d'avis sur eux. Et voilà, vous avez glyphé le jeu. Enfin, glyphé le jeu. Vous avez tous les troubles d'une faction sans combattre. Nous sommes en guerre contre les Taichiud. Détruisez leur camp et nous nous joindrons à vous. Il faudrait, je crois, que je détruise ça. Et moi, on récupère. Étant donné que je suis toujours neutre, ils vont pas m'attaquer mes troupes. C'est ça qui est génial. C'est vrai qu'on connaît bien le jeu, qu'on se dit. C'est tellement plus simple. Alors, la relique est ici. Voilà. La relique qu'on cherche est ici. On fait une pierre deux coups en fait. Voilà, comme ça, ce camp est capturé. Les troupes du camp vont nous rejoindre. Eux, je peux les mettre en tant qu'allié, parce que maintenant ils sont plus mes ennemis. Voilà. Mes archers de cavalerie peuvent déjà se rendre au dernier camp. Enfin, on va éviter de superposer les quand même. Comme vous avez vaincu notre ennemi, nous allons rejoindre votre horde avec plaisir. Il y a encore quelques troupes que vous pouvez récupérer en plus. Je crois qu'il y a un soldat en plus que vous pouvez récupérer dans ce camp. Donc de toute façon, vous préférez prendre... Si vous déclarez la guerre à quelqu'un, vous ne déclarez pas la guerre à eux, parce que eux ont des tours et ça peut être chiant, vous pouvez perdre beaucoup de troupes dessus. Enfin, un ou deux cavaliers, c'est toujours ça de perdu, quoi. Donc les moines, eux, vont traverser... Ah, il est bien le camp. Voilà. Je veux juste être certain qu'il était bien ici. Vous devez nous démontrer que cette alliance sera bénéfique à notre tribu. Il y a un grand loup en nous dont la meute a attaqué nos troupeaux. Tuez-le et nous rejoindrons votre ordre. Bon, bah maintenant vous savez ce qu'il reste à faire. Bon, Omu est une unité, un héros avec 400 PV, donc vous perdrez sûrement beaucoup de troupes dessus, mais c'est pas grave, on s'en fiche. En réalité, vous pouvez perdre personne si vous le souhaitez, mais... Comme nous, voilà. Voilà, on... Voilà. J'ai déjà eu? Ah bah ouais. Bon, une technique, c'est que vous rasez ce camp là aussi. Une solution commune ou autre aussi. Et là, vous aurez accès. Bon, en réalité, les chameaux ça peut être utile, surtout pour affronter l'un des deux camps là. Mais bon. Oui, c'est la peau du grand loup. Nous allons nous joindre à vous, Genghis Khan.
Et pour sceller notre accord, nous vous offrons des flèches ardentes. Bon ben... Là, je vais regarder le chemin le plus rapide pour me rendre à ce camp-là et je vais tuer tout ennemi qu'il y a dessus. On va le problème des grands groupes. Il y a un moment où ça doit... Donc c'est là que je marche plus rapide. Intéressant. Ouais, c'est que je marche plus rapide. Intéressant, ça va. Après vous en fichez des pertes que vous avez. Hein. À ce stade-là, ce qui importe vraiment, après c'est vraiment vous perdre aucune troupe, c'est possible, hein. Il faut juste micro-gérer un peu plus que moi, mais là sincèrement je m'en fiche totalement des troupes, des pertes que je peux avoir. J'ai suffisamment de troupes, même plus que besoin. Voilà. C'est une bonne chose de nous avoir apporté cet objet. Nous suivrons le Grand Khan. Quatre tribus mongoles suivent maintenant l'étendard de Genghis Khan. Le reste du monde va enfin connaître la signification du mot peur. L'ennemi juré des Mongols, d'accord. Bon, beaucoup de succès. Alors, il y a une relique ici. Bon, comme vous voyez, c'est un peu compliqué d'aller la chercher quand même. C'est pas le plus simple. Il y a un con ici qui sert totalement à rien, juste pour vous embêter. Et il y a une relique ici, si vous préférez. Bon, il y a un moine et quelques troupes pour la récupérer plutôt que celle-ci, mais bon. Vous aviserez. Presque toutes les tribus de Mongols se sont rassemblés sous le Grand Khan. Les chefs des tribus qui résistaient étaient bouillis vifs. Tous les jours, de nouvelles têtes saluent. Des mains étrangères portent les 9 bandes de poils de yak qui sont devenus l'étendard de Genghis Khan. Je n'avais jamais vu autant d'hommes et de chevaux réunis dans le campement. Des archers et des lanciers à cheval, des hommes avec une cuirasse de cuir et une armure de soie, glaissent tous la tête vers l'estrade d'où parle Genghis. Le Grand Khan se nomme lui-même le châtiment de Dieu. Les hommes sourient comme des loups affamés. Nous sommes à l'aube du premier jour de l'Empire de Mongolie. Et voilà. Bon. Je pense que les stats sont pas très importants en soi. La flèche enflammée et je suis en train de réfléchir pour la seconde de recherche que j'ai eue. Donc relique capturée, on s'en fiche. Donc voilà, la prochaine fois on stackera une vie de vengeance, à savoir que la mission 3 est celle que je teste le plus. Oh pas mal, j'ai jamais fait attention à ça. Quoi qu'il en soit, la prochaine fois, on s'attaquera à une vie de vengeance. Mais d'ici là, je vous dis portez-vous bien. Et à tout le monde, on commence à regarder cette vidéo en ma compagnie.